Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième depuis la reprise, une reprise qui a été euh, émouvante. Euh, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, euh, merci euh, du fond du cœur de, de tous vos retours sur la vidéo euh, d'hier pour vous. Moi bon, elle a été tournée il y a quelques jours. Euh, je ne sais pas comment vous remercier. Je crois que je crois que l'humain n'est pas prêt pour autant d'amour d'un coup. Euh, le, le nombre de commentaires qui, qui me souhaitaient du bien, c'est... Je ne vais pas vous mentir, hein, il y a eu un petit craquage hier. Euh, mais je, ouais, je ne sais pas comment vous remercier autrement que de continuer à faire ce que je fais, donc pas bah, je continue. Merci énormément. Merci énormément. Euh, je lis chacun de vos commentaires. J'ai lu chacune de vos présentations et je crois que c'est un bon truc d'apprendre à vous connaître. Euh, donc, bienvenue à tous. Euh, bah, Asseyez-vous. voilà, On va une nouvelle fois faire une petite vidéo euh, sans montage, tranquillement, euh, avec euh, un petit café. Un petit café que j'aurais dû faire un peu plus grand, parce que quand je vois la pile de bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, j'ai sélectionné euh, bah, deux, trois de vos questions. Il y en a, il y en a deux qui se rejoignent. Euh, j'ai sélectionné la question de Nicolas Esparza qui nous dit, j'ai pas spécialement de questions, à part peut-être, est-ce que tu attends un comics en particulier qui va sortir là, ou tu vois au jour le jour Alors, habituellement, je vois pas mal au jour le jour, effectivement, à part les séries que je continue, tu vois, le, le nouveau tome d'Invincible, je l'attends, le nouveau tome de Radiant Black, je l'attends, etc. Les séries que je suis vraiment, évidemment, j'ai de l'attente. Pour les nouvelles séries, c'est rare que j'ai autant d'attente, mais euh, pour ceux qui me connaissent, il y a un auteur dont je suis ultra fan, c'est Tom King, c'est euh, voilà, l'auteur qui m'a fait euh, découvrir une autre. Euh, comment dire, une autre facette des comics où c'était vraiment au-delà de, au de la lecture. Bref, euh, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans, dans mes vidéos consacrées à Mister Miracle. Et euh, Urban, qui depuis le début de l'année consacre un mois à chaque fois à un auteur, le fait au mois d'octobre sur Tom King. Donc évidemment, ça va être un mois absolument fou pour moi en tête de liste, je mets Human Target, euh, parce que c'est un bouquin que j'avais commencé à suivre en VO, j'avais complètement accroché, je m'étais dit, non, allez, on attend la VF, qui s'est fait attendre, honnêtement, ça fait un moment maintenant que, que je... que j'avais commencé ça, donc... Ouais, ça s'est fait, fait doucement attendre, et il y a Love Everlasting, aussi, en, en tête de... en... en je sais pas, en tête de... j'allais dire en tête de gondole. Je... Pouah. Euh, je, je sors de maladie. Voilà, je n'ai pas précisé. C'est peut-être la, la voix aussi, ça s'entend. J'étais totalement en PLS hier dans, dans le lit. Donc, voilà, je, je sors de maladie. Peut-être que j'y ai encore un pied dedans. Et peut-être que ça ne sera pas du tout cohérent, ce que je vais dire. Mais vous avez compris l'idée. Bon, bref. En gros, dans les, dans les euh, récits qui arrivent, euh, c'est principalement du Tom Kings qui rejoint la question de Anata euh, Okizamu, qui dit « Ma question, vas-tu faire la totale ce mois-ci pour les sorties de Tom King Perso étant fan de King, j'hésite ju juste sur Love Everlasting. Le reste, je prends. Et ben Love Everlasting, sache que ouais, c'est une des sorties que j'attends le plus. Parce que euh, déjà, Elsa Chartier, je trouve qu'elle a un vrai style graphique. Et qu'elle apporte vraiment quelque chose sur la série. C'est peut-être même plus celle qui est mise en valeur que Tom King. Pour avoir lu les deux premières issues, euh, c'était vraiment quelque chose que je kiffe. Ça sort de l'ordinaire. Et c'est ce que je veux. C'est là-dessus que Tom King, il arrive à me, à me choper à chaque fois. C'est pas forcément quand il fait du mainstream. Donc, ça, j'attends carrément de fou. Et puis après, ce qu'il fait dans le mainstream et qui arrive aussi, il euh, y a quoi Il y a Year je crois que ça s'appelle, euh, qui arrive. Ça, je suis chaud. Et il y a un truc avec un braquage là Killing Time Non. Si, ça doit être Batman Killing Time. Bref, un titre comme ça. Euh, pourquoi pas Dans tous les cas, je, je prendrai. Puisque Tom King, on prend tout ici. Voilà. Euh, et puis, une question qui m'a un peu fait rire celle d'Alveric. Euh, qui me dit, c'est quoi cette expression dans la description Peut-être que vous vous êtes posé la question, tire-toi une bûche. Euh, effectivement, depuis qu'on a commencé ce nouveau format, dans la description, vous voyez une phrase qui dit, tire-toi une bûche. Et bien, bah, tout simplement, c'est une expression québécoise. Euh, Je suis très fan de, de la culture québécoise et du Canada, même en général. Et euh, c'était un, un moyen, comme ça, de, de me rappeler ça et, et peut-être aussi de, de saluer nos amis québécois qui, qui nous suivent. Tire-toi une bûche, ça veut tout simplement dire voilà, prends une chaise, euh, viens t'asseoir à côté de moi, partageons un, un bon moment au coin du feu. Et euh, je trouve que ça correspond pas mal à l'ambiance qu'il y a sur la chaîne actuellement le tire-toi une bûche. Voilà, j'espère que tu as la réponse à ta question, les amis. On va passer aux achats du mois et demi. Bon, ça fait presque deux mois maintenant euh, que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je vous ai fait euh, juste avant une petite vidéo que je vous mets maintenant avec cette pile absolument immense. Absolument grandiose. Je, ouais, on, on a bien, bien, bien craqué hein, ce mois-ci. Mais ma foi, euh, les amis, euh, bah parfois il a, parfois il en faut. Ça a été un peu thérapeutique aussi. Euh, donc laissez-moi vous présenter tout ce que je me suis euh, procuré ce mois-ci, de plein de manières différentes. On commence rapidement par le manga. Ça va être très vidéogénique ce que suis en train de faire, de me pencher pour les choper. Euh, tenez, on commence par un bouquin dont je vais, dont je vais bientôt vous parler. Ça, c'est Evol, c'est le tome 3. On en parle très bientôt, dans un normalement, sur Ex Libris dans le Focus Club. Mais au-delà de ça, moi, j'ai une vidéo en préparation là-dessus parce que c'est euh, un manga que je trouve absolument incroyable et surtout qui est euh, à l'embranchure parfaite entre le comics et le manga. Que ce soit dans le format, vous voyez, euh, le dos dur, ça parle de super-héros, ça parle de thèmes incroyables, même les dessins font très comics. Donc, ça, il faut que je vous en parle très bientôt. C'est euh, un coup de cœur absolu. Et donc, je suis très content d'avoir reçu le tome 3. Euh, c'est Delcourt qui fait ça et euh, qui me l'envoie. Donc, c'est ton cam, là, en l'occurrence, pour le, pour le manga. Mais euh, absolument incroyable. Ça, c'est vraiment fou. Bon, je, je l'ai mis dans les mangas parce qu'il <laughs> avait le format manga. Mais évidemment, du comics, je ne sais même pas si. Ça se trouve, ça, je vous en je avais déjà parlé. Mais dans tous les cas, peu Rock Jesus. Vous connaissez ce sorti en format nomade. Euh, évidemment, on va en parler sur la chaîne dans un format euh, qui fera son retour. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là depuis un petit moment, on a ça. On a Bibliomania. C'est euh, il oui, y a le truc qui pend parce que j'ai fini de le lire hier. Euh, Bibliomania de Orval et dessin de Makiro. C'est grosso modo l'histoire de Alice au pays des merveilles. Qui se retrouve dans un monde où il y a, euh, je crois, 400 et quelques portes. Et en fait, à chaque fois qu'elle va franchir une porte, elle va pouvoir s'échapper de ce monde-là. Sauf qu'à chaque fois qu'elle franchit cette... qu'elle franchit une porte, à chaque fois qu'elle s'approche de la sortie, elle est de plus en plus condamnée à mourir. Donc, jusqu'où elle va pouvoir aller Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir Tout ça dans un récit qui se veut un peu horreur dans un magnifique écrin là aussi. Euh, C'est Bibliomania. Euh, et c'est vraiment, vraiment très chouette. Puis c'est très lecture Halloween, forcément. Et ça, c'est la prochaine lecture dont on parle dans Focus Club à la fin du mois d'octobre. Donc si vous l'avez lu ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire et à nous en parler sur le Discord avec grand plaisir. J'ai pris un roman également. Ça, ça faisait très longtemps. C'est le roman de Panayotis Pasco. La prochaine fois que tu mordras la poussière. Un roman euh, biographique d'un bah, humoriste, peut-être que vous connaissez Panayotis, euh, humoriste, comédien, etc., qui moi me fait beaucoup rire et qui là a sorti un roman qui a été euh, hautement plébiscité, un best-seller, et dedans il y parle de sa relation compliquée avec son père, euh, avec ses parents en général, donc forcément ça fait écho. Et j'avais euh, besoin d'un récit comme ça, donc je me le suis pris, et c'est mon petit livre de chevet pour l'instant. Euh, J'allais dire très confort, même si le sujet est un peu compliqué. Je me suis pris en manga les quatre premiers tomes de My Hero Academia Vigilante. Peut-être que vous savez que je lis les My Hero Academia euh, et je suis à jour, donc j'avais besoin de continuer cet univers. Et pour ça, j'ai pris Vigilante. C'est pas exceptionnel. J'en parle là encore dans le dernier épisode d'Ex Libris. J'ai l'impression de faire de la pub pour Ex Libris, mais forcément, quand on parle de manga, c'est forcément lié à ça. Euh, mais là, de toute façon, on va passer aux comics avec une belle occasion que j'ai trouvée au festival Bulle en Bresse, euh, à côté de Bourg-en-Bresse. Oh, j'ai oublié que c'était mass massif. C'est ceci. Alors, vous voyez vraiment la taille du truc. Donc, la Ligue des Gentlemen, extraordinaire. Euh, C'est édition USA, donc le coffret du récit d'Alan Moore. Dedans, on trouve plusieurs choses que je vais vous décrire. On a la Ligue euh, des Gentlemen Extraordinaires, les archives secrètes. Ok, donc ça, je ne sais même pas ce que c'est, mais je suis trop content d'avoir ça. On a la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et la Ligue des Gentlemen Ex Extraordinaires 2. Et on a même le DVD du film euh, de la Ligue, évidemment. Et ça, <laughs> c'est les bons souvenirs qui vont revenir. Donc voilà, en fait, ça fait surtout un très beau bouquin et ça, je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Donc j'ai foncé évidemment un récit que je voulais lire depuis très longtemps. En plus, dans un bel écran, je me suis dit, let's go, c'est pour moi. Je vous en parlais dans les récits euh, que je ne peux pas attendre pour acheter. C'est Radiant Black, le tome 3, du coup, que j'ai déjà lu, je vous en parlerai. Une série que, que j'aime beaucoup et qui fait partie des séries dont j'attends le plus la suite à chaque fois. C'est Radiant Black de Kyle Higgins. Je vous conseille évidemment les vidéos où j'en ai déjà parlé. A priori, il y en a au moins deux. J'ai l'impression de faire la vidéo en apnée parce que je l'ai totalement pris, etc. Ça ne va pas être très agréable pour vous. Mais écoutez, c'est vous qui avez cliqué dessus. Hein. Reckless, évidemment. Alors là, c'est pas vraiment le tome, du coup. Euh, je crois que c'est le cinquième à être sorti celui-là. Ouais, ça doit être le cinquième. La descente aux enfers, Bourbaker philips Que dire de plus Reckless, moi, j'aime toujours autant. Ça aussi, je l'ai déjà lu. De toute façon, il y a un bon paquet que j'ai lu euh, sur ces deux dernières semaines-là. Donc, Descente aux Enfers, la suite de Reckless, qui se passe grosso modo au même moment que le précédent où on suivait les aventures de, de sa pote. Là, on retourne sur les aventures d'Ethan, euh, qui est à San Francisco pour une petite enquête. Ma foi, très bien ficelé. On parlait des séries euh, dont je ne peux pas attendre la suite... Les Gardiens du Globe. Euh, je vous spoil évidemment qu'il y a Invincible tome 10 dans la pile. Je le vois, là, le, le truc vert, mais il est en plein milieu. Donc vous attendrez évidemment que je vous en parle. Mais euh, il y a également Les Gardiens du Globe qui sont sortis. Donc, spin-off d'Invincible, comme ils avaient fait sur Brit. Euh, ça, j'ai très hâte de lire. Je ne me suis pas encore mis. Mais ma foi, je suis très content. J'avais très hâte que ça sorte. Quand je voyais les, les anciennes éditions, je me disais, est-ce que je craque et tout Non, ils en ont fait une intégrale. Je suis très content. Ça, ça a prolongé mon expérience invincible. Et je ne demande que ça. Il va forcément y avoir du millard, vous vous en doutez, avec Magic Order. Tenez d'ailleurs, je viens de commander Huck sur un Vinted. Euh, je suis très content de ça parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Et bah, du coup, je vous en parlerai très bientôt. Ça devrait arriver dans les, dans les prochains jours. Mais j'ai trouvé ça ce matin, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Magic Order, donc de Marc Millar, dessiné cette fois-ci, à chaque fois c'est un nouveau dessinateur par Gigi Cavenago, que je ne connais absolument pas. Euh, mais très hâte de voir encore une fois la suite de, de cette aventure, le deuxième qui est un peu en deçà du premier, mais voyons où il nous amène avec ça, avec un troisième tome. J'y pense d'ailleurs, il y a un bouquin dont je ne vous ai pas parlé. Puisque je l'ai déjà prêté à quelqu'un après l'avoir lu, c'est Dans les yeux de Billy Scott que je me suis pris. Ça paraît. Je vous en parlerai très bientôt parce que ça sort un peu de, de, mes, euh, de mes lectures habituelles. C'est de Zoé Thorogood. Non, j'ai peur de, mal, de, de niquer son nom. Dans les yeux de Billy Scott, renseignez-vous là-dessus. Ça a eu pas mal de récompenses et c'est plutôt très très bon. Et euh, évidemment, je vous en parlerai bientôt. Un tout petit peu de franco-belge avec Godman. Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais au festival Bulle en Bresse, il y avait Jonathan Munoz. Euh, et du coup, en passant un peu dans les, dans les bouquins qui qu y avait, je tombe sur Godman. Et je peux vous lire le, le dos Charles est fainéant, libidineux, nonchalant, alcoolique, égocentrique et accessoirement Dieu. Ceci est son histoire. Qu'est-ce que tu veux ne pas avoir envie d'aller là-dessus donc évidemment, je suis parti sur Godman avec la, la belle dédicace de, de notre ami Jonathan Minos, donc qui a fait une, une deuxième dédicace sur le deuxième. Donc ça, pareil. Je pense que je vous en parlerai. Ça va être une petite lecture au coin du feu. J'ai voilà, bien à de dire ça. Ça va être, ça va être pépère. Ça va être chill. On l'aime bien. En parlant de lecture chill, eh ben Strange Academy arrive à sa fin. Dernier jour de cours. Donc, toujours écrit par Yang, dessiné par Humberto Ramos. Ça, c'est ma petite lecture réconfortante. Je vous en avais déjà parlé au tout début de la chaîne, hein, quand ça commençait. Euh, ça a été sauvé, parce que ça aurait dû ne même pas avoir de fin. Et finalement, là voilà, la fin. J'ai peur que ce soit une fin un peu précipitée, un peu bâclée. Mais euh, je suis très content de pouvoir dire au revoir à ces personnages-là. Qui me suivent depuis quelques années maintenant. En parlant de fin, en... voilà une autre, Kill or Be Killed, le tome 4. J'ai beaucoup attendu hein, avant de le prendre. Euh, hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. On avait beaucoup parlé de la fin, euh, qui était euh, peut-être un peu surprenante. Eh bien, hâte de voir ça avec la fin d'un de mes récits, peut-être préférés, euh, des Brewaker et, et Phillips. Voilà, c'est euh, pour ceux qui, qui connaissent pas, j'ai fait plein de vidéos dessus et euh, bah, de toute manière, je parlerai de cet homme 4 en faisant, j'imagine, un petit débrief de la série euh, complète. Pff, je pense que j'ai fait la moitié de la pile là. Vraiment, c'est un... <laughs> un enfer. Qu'est-ce qui m'a pris Bordel. Et encore, j'ai l'impression que j'en ai oublié. Mais euh, on continue avec du dardeville Évidemment, qui dit achat dit les gars, j'allais pas faire autrement. Daredevil, le diable dans le bloc D, le début du run de Bourbaker, évidemment. Bourbaker, voilà, je ne vais pas vous en parler 50 fois, le, le gars je suis totalement fan. Sur mon personnage préféré qu'à Daredevil, <laughs> oui, oui, bah oui, c'est parti pour être un énorme coup de cœur. En tout cas, j'y vais avec d'énormes espoirs. Euh, mais il faut que je vois où est-ce que je le place dans ma lecture parce que... J'ai également acheté autre chose de Dardeville. Ça répond à la question qu'on nous a posée hier. L'omnibus de Mark Wade, tu comptes le prendre Peut-être. <laughs> ouais, j'ai pris l'omnibus de Mark Wade. Voilà, le premier omnibus de Mark Wade. Puisque... Ah bon, on le voit même pas, il est coupé tout pile. Euh, Là-bas, il y a le, celui de, de Miller. Donc évidemment, les omnibus de Dardeville, on va les prendre. Hein. On a des Yankees là-dessus. Euh, Dites-moi où est-ce qu'on doit, on doit insérer le celui de Wade par rapport à Brubaker Par rapport à Bendis que j'ai terminé J'avoue que ça, je commence à y voir un peu flou avec tous les Daredevil Mais je suis content Que ça commence un peu à s'imbriquer comme ça Les petites pièces du puzzle Pff, Voilà un beau bébé là aussi hein. Le Gideon Falls La première intégrale euh, Très content De, de ce qu'ils ont fait sur Gideon Falls Alors bah du coup Je vais pas forcément le lire celui-là euh, quoi que je dis ça, mais en fait ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas placé, enfin je ne me suis pas... Euh, C'est pas placé, je vais plonger dans Gideon Falls que je ne me rappelle vra pas vraiment exactement où je m'en suis arrêté. Donc je crois qu'en fait je vais le, re je vais le relire euh, avant la deuxième intégrale parce que sinon j'aurais jamais la fin, je n'avais pas acheté la fin, j'ai que le début. Donc je vais relire le début et euh, je pense que je serai impatient d'avoir la suite. Donc Gideon Falls, Jeff Lemire, Andreas, Sorrentino. Ça, c'était un énorme coup de cœur l'année dernière et typiquement le genre de lecture à lire au mois d'octobre, le mois d'Halloween. Ouais, je pense que je vais faire ça. On continue. Invincible. Ah, évidemment. Évidemment, Invincible tome 10. Ah, ça, c'est déjà lu, évidemment. Quoi je dis, évidemment, mais je l'ai acheté à sa sortie et comme je vous ai dit, j'ai pas lu pendant un mois, y compris ça. Et pour ceux qui me connaissent, d'habitude, Invincible, je le lis le jour où je l'achète directement, si ce n'est même la veille de la sortie. Euh, mais euh, là, voilà. Euh, je l'ai mis en, en de côté, sans le lire. Et je l'ai lu là, il y a à peine, euh, je ne sais pas, 5-6 jours. Donc, c'est vous dire que vraiment, j'ai mis une pause aux comics. Quoi. Tenez, quand je vous disais que c'est des bouquins que je me suis procuré, il y avait un peu de service presse. Je ne vous ai pas dit, mais Gideon Falls, par exemple, c'était du service presse. Et là, c'est un collègue qui m'a prêté le bouquin que je voulais lire depuis un long moment c'est The Last Ronin. Alors, Valentin, si tu passes par là, il est là, il est dans les mains, prêt à être lu. Euh, donc, The Last Ronin, la fameuse histoire de TMNT. Je ne suis pas spoilé sur qui est le dernier, le dernier Ronin. Ne spoilez pas ça, par pitié, de toute manière, ne spoilez pas tout court. Euh, The Last Ronin, très très hâte de découvrir ça, même, même s'il y a plein d'autres choses à lire. Mais du coup, euh, bah, trop content euh, qu'on me l'ait prêté, parce que j'avoue que je n'avais pas forcément envie de l'acheter, sachant que j'ai plus les TMNT dans la, dans la collection. Donc, très content de pouvoir le découvrir autrement. Et ouais, on m'en a tellement parlé. d'où a Power Bomb. Que j'aurais peut-être pas pris si, euh, si j'avais pas lu Dead Earth récemment. Et que je m'étais réhabitué au coup de pinceau de, euh, de Daniel Orrin Johnson. Do a Power Bomb. Ça, c'est déjà lu. Donc, ça sera dans les prochaines vidéos. J'ai pas mal de bouquins que j'ai déjà lus. Hein, dont, dont je vais vous parler. Bah, je crois que tous les suivants, là, je les ai déjà lus. Donc, c'est vous dire. J'ai pris le premier tome d'American Jesus. Voilà, Je l'ai croisé en librairie. Euh, donc c'est Marc Millar évidemment. Du coup vous me connaissez, je commence à lire tous les Marc Millar, Donc American Jesus. Et en plus ça va arriver très bientôt là, en série télé. Je crois qu'il y a déjà les, euh, les bandes annonces qui sont sorties. Vous le savez peut-être si vous me connaissez, mais je ne regarde pas les bandes annonces de, de séries et de films que je vais regarder en tous les cas. Donc je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, le bouquin, j'ai lu le premier tome. Je crois que c'est en trois tomes. C'est des tomes très fins. Pour le coup, euh, mais je crois que c'est pas donné pour autant. En même temps, ça reste panini. Voilà, hein, on peut en dire plus. Gravity's wall euh, par l'auteur de la Elastar, évidemment Ramvi Amanderka au euh, dessin, je pense. Ça, c'est déjà lu également. Euh, ça, il faut que je vous en parle parce que c'est une lecture un peu à part. De toute façon, je vais vous parler de tout évidemment. On a le temps sur cette chaîne avec presque une vidéo par jour. On continue chez Millard. <laughs> le mec est fou. Il lit tout le Millard. MPH euh, de Marc Millard. Des jeunes qui prennent une, une drogue qui permet d'aller très très vite. Euh, ben C'est MPH euh, écrit par Marc Millard, dessiné par Duncan Freguedo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins dont vous, dont vous, que, voilà, que vous avez lu, dont vous avez hâte que je parle, etc. MPH. Là. Un coup de coeur, ça il va falloir que je vous en parle. Bah, je pense peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, c'est peut-être mon coup de coeur de, de ces dernières semaines. Le Dark Knight of Steel de Taylor. Alors, c'est un service presse, promis ça n'a rien à voir avec tous les compliments que je vais faire dessus, mais je m'attendais pas à autant kiffer un bouquin euh, qui se passe comme ça dans un next world un peu fantaisiste, etc. Donc, ça je pense que je vous en parle. Euh... Dans les prochains jours. Je ne suis pas sûr que je sorte de vidéo demain, maximum mercredi. Et ça, on va en parler ensemble. On va en parler sous tous les angles. Euh, tellement j'ai totalement accroché à ce truc-là. Le projet est fou. On revient sur Bro Baker. Alors, vous voyez, hein, Bro Baker et Millard, ça occupe 50% de mes achats. Quoi. Euh, Friday, de Ed Bro Baker, Marcos Martin. Euh, J'imagine que Monissa Vicente, c'est à la colo. Sorti chez Glenna. Il euh, y a le tome 2 qui est sorti. Mais ça, il faut que je vous en parle parce que je ne m'attendais pas à avoir cette réaction sur le récit. Voilà. Je ne vais pas vous dire si, si j'ai aimé ou pas. Mais je ne m'attendais pas à, à penser ça. Il reste deux bouquins. On y arrive presque. Berserker, le tome 2. Euh, alors, ce qui s'est passé, très marrant ce mois-ci, c'est que Delcourt, je me dis, mais je ne reçois pas les services presse de Delcourt ce mois-ci. C'est bizarre quand même! <laughs> Et euh, en les contactant, euh, on me dit « Bah oui, mais non, tu n'as pas demandé de service presse ce mois-ci. » Donc, erreur de manipulation de ma part. Voilà. Donc, et bah, ça, ça vous prouve que les services presse, ça nous aide. Mais dans tous les cas, bah, je les achète quand même. Hein. Beurza l'Arcair, Radon Black, tout ça, on les a pris quand même. Parce que bah c'était vraiment, euh, dans, dans ce que je voulais acheter, il y avait Reckless aussi, tout ça. Ça aurait pu être du service presse. De ma part, je les achète quand même parce que de toute manière, je vais en parler. Donc, BZRKR tome 2, on n'avait pas adoré le premier, hein, euh, sans détester, mais bon, très curieux de voir la suite. Et puis, c'est vraiment le c'est tellement de la castagne que vrai, je suis, euh, je suis chaud de, de lire la fin de ça, pas enfin, la fin, la suite. Et en parlant de suite, Stillwater tome 2, ça fait longtemps que j'attendais le tome 2. Parce que le Thomas, j'étais un des rares à avoir aimé, je crois. En tout cas, un des rares à l'avoir lu même. Euh, si Wether de, de Zdarsky, Enfin Zadarski, pardon. Le Thomas avait, euh, je crois, assez flopé au point que Delcourt avait annoncé sur Twitter qu'il ne ferait pas la suite. Heureusement, Zdarsky est devenu euh, une légende dans le comics entre-temps. En faisant en même temps Daredevil et Batman chez les deux concurrents. Évidemment, son nom a pris un peu de, de galon. Et je pense que ça a un peu motivé le fait que Stillwater revienne en France avec le tome 2. Je crois qu'il y a même le tome 3 là, qui sort dans les prochains mois. Donc ça, bah, écoutez, je suis trop content. Ça va être euh, lecture très prochaine. Je... Non, bah, oui, non, je ne l'ai pas encore euh, ouvert, celui-là. Oh, on a terminé. Oh, la vidéo est tellement longue. J'ai même pas bu le café. Il doit déjà être froid. Pour ceux qui seraient encore là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec une petite question pour que je vous y réponde dans la prochaine vidéo. Merci encore une fois pour, pour tout, en fait, vraiment. J'ai euh, une chance énorme de vous avoir. Et euh, voilà, de toute façon, je ne vais pas passer 25 minutes encore à vous remercier. Merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. D'ici là, ciao tout le monde.